Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous allons démarrer tout de suite avec information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombasa Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, ou capable toujours abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable jouer une notification chaque fois nous postons une vidéo sous chaîne ça. Et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Responsabilité lutte contre corruption hein, organiser une journée porte ouverte pour informer population hein, dans mission et fonctionnement ULCC à qui c'est unité lutte contre corruption. Président République là Jovenel Moïse t'ai une opportunité pour te participer dans porte ouverte ça côté l'ité parler avec population. Et nous voulons parler ensemble avec vous tout, yon délégation 6 sénateurs remettre document dans KEPA ou bien CEP dans Pétionville pour porter plainte contre décision président République là prend dans constat mandat des tiers sénat qui finit. Et bien nous pas perdre temps, n'a pas commencé cool yeah. Et pour essayer de partager information avec grand public là sous mission institution ça. Un aspect qui est important pour ULCC dans l'occasion je n'importe l'ouvrir ça. C'est partager avec le public là, base légale ULCC Chita sous mieux pour fonctionner. De manière à ce que le ULCC a fait action dans le cadre de mission la loi Bali, pour personne ne pas poser trop de questions est-ce que ULCC a le droit de faire ça. Donc dans ce sens, l'équipe ULCC a distribué la loi qui créait ULCCA, 8 septembre 2004. Nous distribuons la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous distribuons la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous bail public là tout loi 12 février 2008 qui traitait de question déclaration de patrimoine qui fondamental pour bataille contre corruption parce que texte ça l'a appliqué la permettre au gourmet contre question blanchiment de capitaux la permettre au gourmet contre enrichissement illicite et nous remarquons en pile tollé qui a fait c'est parce que nous n'avons pas lu texte mais si on lit texte ça surtout article 11 article 12 article 2 décret qui crée ULCCA il y a permission il y a mandat il y a pour que ULCC carrelé quel que soit fonctionnaire l'état et convention yo ak loi li pas fait différence sous titre rang grade qualité des pour gérer bien l'état l'agent l'état matériel l'état ou bien nos postes électifs ou bien nos postes nominatifs quel que soit engagement gagné dans l'état. Depuis qu'il y a soupçon de corruption, il y a un scandale de corruption, ULCC carré l'eau à tout moment. L'eau a pas dit sous ministre, sous directeur général ou pas là-dedans. Depuis au service l'État, au fonctionnaire l'État, depuis qu'il y a soupçon de corruption, ULCC carré l'eau pour le garder. Donc, dans le journée porte l'ouvrir ça, nous profiter féliciter diverses personnalités, plus passer 80, et qui ont fait déclaration patrimoine dans fin mois de décembre. Yon la d'ailleurs, c'est directeur général de l'ULCCA, M. Claude Garçon, qui fait parler là tout. Nous profiter inviter tout le monde qui peut remplir formalité légale ça pour le faire avant 31 janvier. Puisque c'est loi, j'en dis, 12 février 2008, qui fait une obligation pour remplir formalité légale ça. Maintenant, ULCC, vous dis, hein, moi, je viens visiter DGA avec le ministre de Justice, le commissaire gouvernement. Nous avons des portes ouvertes que l'ULCC a fait et profiter, féliciter le directeur général là parce que c'est une institution, tout le monde a posé cette question longtemps qui sait l'ULCC. Je pense que l'activité est important pour que l'autre entité dans l'État commence à suivre pour faire que le peuple la connaît qui ça même a réglé. Et c'est pour ça que moi-même, je suis passé pour me venir garder tout. Et je me dis que je m'apprends pendant que je suis venu là. Et par exemple, corruption, il faut gagner éducation. Ce n'est pas seulement c'est répression. Ce n'est pas ça seulement. Et maintenant, ça est important pour que tout le monde qui a regardé le capitaine de là comprenne et connaisse tout ça. Et ça qui est bien important, c'est que dans l'année 2019, là, moi, j'ai fait appel à organisation OEA pour l'été venu en aide à toute institution qui a lutté contre la corruption dans un pays. L'homme parle de aide, j'avais dit pour renforcement, et c'est pour ça que j'étais arrivé à accepter
pour mettre 18 millions de dollars sur 4 ans qui vont venir sur un accompagnement pour bail pour renforcer toute institution qui a bataille contre la corruption dans le pays. Et encore, si nous songeons, l'homme était monté, de fait, monté président en février 2017. Premier gros discours que j'ai fait 4 septembre 2017 dans le lycée Pétion, c'était clair que j'ai parlé de 5 problèmes que le pays a rien. Et je suis capable de dire, après 3 ans, je me rends compte que c'est un véritable problème que la corruption est dans le pays. Ce n'est pas seulement dans l'État, parce que nous disons et nous connaissons la loi sur la corruption qui ça le dit. L'important pour tout le monde comprendre, par exemple, l'homme monde décidé pour faire fraude avec évasion fiscale, l'homme monde décidé pour faire contrebande, ça, nous ne sommes pas capables de camper garder. Ça veut dire que ce n'est pas l'État seulement. Ce qui est important, c'est nous tous qui pour collaborer, pour nous protéger, qui pour permettre que, aujourd'hui, nous avons un pays, côté comme l'État a rentré. Ça, c'est réception. Non seulement il y a un bon contrôle sur eux, et il faut qu'il y ait un contrôle sur les dépenses. C'est pour ça qu'il est important pour fonctionnaires publics, qu'à faire déclaration patrimoine. Parce que pour l'État parler de contrôle sur les dépenses, il est important pour nous comprendre une partie de ça. Parce que, en fait, le monde où on job l'État, où vient pour service, avec où vient pour servir qui est, où vient pour servir le peuple. Ça veut dire, faut sous son serviteur, ou pas qu'à venir pour venir enrichir, ou venir pour venir servir. Et c'est pour ça qu'il est important. Le directeur général, je connais que je commence à travailler sur ça. Je connais que je commence à aller avec fonction pour fonctionnaires publics. C'est 31 janvier pour tout fonctionnaire, monde que la loi dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'ULCC travaille sur une loi qui est faite en 2014, c'est ça? 2014, exactement. C'est ça, ça veut dire maintenant, c'est sur la loi sur patrimoine, c'était 2008, j'ai dit là. Et c'est pour tout le monde qu'on nous a clair. Depuis où c'est fonctionnaire public, même Jean-Marie, même président de la République, m'a fait. C'est pour le monde qui vient faire déclaration patrimoine. Nous. Pour le peuple qui sort posséder, l'on a quitté le job là tout pour le reste posséder. Pour ne pas comprendre, pour ne pas comprendre est-ce que vous avez une bonne gestion, est-ce que pas de problème dans le mode de gestion que vous avez fait avec bien l'État. Moi, je dis tout le monde, je n'ai pas tout fait ça, je pense que l'ISEVI nous, et maintenant le directeur général là, pour le mettre. Je n'ai pas trouvé ça là sur d'autres réseaux, il faut le mettre sur les réseaux sociaux pour que les gens soient exactement qui est qui est LCCA, les gens qui ne peuvent pas venir pour qu'ils soient pour qu'ils comprennent. Parce que c'est une institution qui est importante et nous demandons encore toute l'autre entité dans l'administration publique là, pour faire pareil. Ouvrez porte nous, pour que les gens soient là, ça n'a pas réglé. Mais c'est nos sistes qui ont déposé une plainte au niveau du Conseil électoral provisoire sous base de sa constitution qui prévoit. Article 94.2 constitution dit élection qui doit être organisée pour sénateurs, elle doit être organisée par le Conseil électoral permanent dont rôle Conseil électoral provisoire là joué là. Il dit c'est Conseil électoral provisoire là qui doit faire loi électorale là ou décret électoral là. Ça qui fait, dans l'article 197 Constitution, il dit le Conseil électoral permanent ou provisoire est le contentieux de toutes les contestations soulevées, virgule, soit à l'occasion des élections, soit à l'occasion de l'application ou de la violation de la loi électorale. Partant de cet article, nous voyons dans toute la rue, dans tout réseau, il y a des gens qui ont interprété la loi électorale. Il y a des gens qui sont premiers citoyens du pays, qui relèvent Jovenel Moïse. Il a essayé d'interpréter la constitution et la loi électorale à travers un tweet. Un tweet champouel, un tweet non-nuit. Côté, il dit
les constater la caducité du Parlement avec le départ de 2/3 du Sénat. Ça qui n'est pas vrai, ça qui c'est mensonge. Nous-mêmes, comme sénateurs de la République, nous connaissons ces velléités tout dictateur, ces velléités tout le monde qui voulait violer la loi pour essayer d'éliminer le Parlement. Nous-mêmes qui là, on préfigure nous, c'est des sénateurs qui sont toujours là dans le travail. C'est des sénateurs qui voulaient que le pays avance. Sauf, nous avons une institution, côté c'est la majorité qui est posée loi. Mais nous-mêmes, nous combattons pour le respect de l'institution et la démocratie. Puisque le président Jovenel lui fait une erreur grave parce qu'il violait la constitution, il violait la loi électorale en tant que président de la République, nous engageons déjà plusieurs actions. Par exemple, nous avons le correctionnel pour nous, un tribunal correctionnel condamné à la réclusion pour abus de fonction et abus d'autorité contre la chose publique. Nous relèvons devant CEPA là, parce que la Constitution permet ça. Pour CEPA dit, il a erré de commettre erreur en voulant interpréter, appliquer et violer la loi. Nous faisons action déjà devant des groupes parlementaires dans le monde, des parlements à travers le monde. Nous faisons action au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour seule raison, nous avons posé un principe. Pour nous tout respecter dans un état de droit et dans une démocratie. Pas en question de mandat. C'est en question de respect de la démocratie, respect des principes, respect des normes. Et s'il faut que nous arrivions tout côté, nous devons arriver avec le président Jovenel pour acte de violateur que le posé de la Constitution et de la loi électorale, n'a fait parce que la population nous avait fait confiance. La population a placé sa confiance en nous. Elle dit c'est nous qui pour défendre, nous ne pas accepter genre de dictature sa vie. Voilà, équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oop!